Salut à tous, c'est Xion, j'espère que vous allez bien. Donc là vous pouvez voir la petite 125 DTLC. Donc j'ai remis une attache rapide de chaîne parce que l'ancienne était morte. Du coup ça fait un bout de temps qu'elle n'avait pas roulé. Donc j'ai fait une sortie avec 2,4,5, on s'est bien amusé. Donc va falloir que je me réentraîne pour choper le frein arrière. Hein. Ici on a la petite MRT, donc j'ai pas eu le temps de faire les projets que j'avais prévu cet été pour elle. J'espère que j'aurai le temps de les faire, je ne sais pas encore quand. On a ici la 600 XT. Donc je suis en train de travailler dessus, du coup, forcément. Hein. Donc pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose dessus. Donc là, j'ai retiré les feux, etc. Tout simplement parce que j'avais un problème électrique. Et donc en fait, c'est bon, j'ai trouvé d'où ça venait. C'était juste un fil de Neyman. Donc voilà, donc le Neyman, à ce niveau-là, j'ai vu qu'il y avait un fil dont la continuité n'était pas bonne, du moins pas excellente. Donc j'avais démonté le Neyman. Et en fait, c'était pas dedans, hein. Les contacts étaient très bons à l'intérieur, il n'y avait aucune rouille. Aucune oxydation, et en fait c'était simplement une des cosses qu'il a, la cosse de la batterie directement, hein, du fil rouge, vous voyez, qui est ici. Et donc en fait le gars avait fait avait serti la petite cosse ici, et l'avait serti sur le plastique et avait laissé dépasser à peine 2-3 brins de cuivre, et du coup forcément le contact n'était pas bon, et donc des fois je perdais totalement l'éclairage sur la moto. Donc ce souci est réglé. J'ai vérifié tous les feux, ils fonctionnent tous, hein, centrale clignot, tout ça, il y a tout qui marche. Le régulateur aussi, le vendeur m'avait dit qu'il était mort, au final il fonctionne. Hein, parce que quand je branche le voltmètre et que j'accélère à la poignée, bah, j'ai une augmentation du voltage de 2 volts environ. Donc je pense que ça devrait le faire. Donc je vais mettre une batterie neuve, hein, parce que celle-ci par contre elle est totalement à plat. Donc voilà. Le régulateur du coup c'est bon. Les clignotants, donc c'est pas des clignotants LED, et pourtant je sais pas pourquoi, j'ai une série de résistances, là je sais pas pourquoi c'est, je sais pas à quoi ça sert. Donc bref, c'est le bordel au niveau de ces fils là, donc moi c'est simple, je vais dégager tout ça, parce que les clignotants ils ont pas besoin de ça pour fonctionner, et si jamais les ampoules elles crament, ou qu'elles ont tendance à cramer, ce que je ferais c'est que je mettrais des petites résistances, mais vous savez, les petits bâtonnets là, enfin pas des gros trucs comme ça. Donc bon, tout ça, ça va dégager, voilà. Donc écoutez, là je vous sors tout ce qui est monté dessus, hein, et je vous pose le nouveau réservoir pour vous donner une petite idée de ce que ça va donner. C'est parti. Là, comme je vérifie tout ce qui est électrique et que tout fonctionne, hein, seulement il y a un truc que j'avais pas vérifié, c'est cette cosse là, parce qu'en fait elle était débranchée et j'avais pas vu dans le sac que l'ancien propriétaire m'a donné qu'il y avait l'autre bout du compteur, donc avec les indicateurs. Donc là, histoire de vérifier que les fils qui les alimentent fonctionnent, je vais mettre mon ampoule neuve sur chacun des petits plots là et je vais vérifier que ça s'allume. On a vu que l'indicateur de plein phare fonctionnait, donc on va tester le neutre. Tac, ça fonctionne. Donc c'est nickel, hein, y a tout qui fonctionne. Pour adapter le réservoir, là j'ai dû couper un petit peu les reposes de Silent Block. Ensuite ici j'ai dû décaler la durite d'huile, celle-ci. Donc en chauffant et ensuite avec un petit marteau et une cale en bois. J'ai pu décaler ça, donc j'ai pas de fuite d'huile, hein. Pour l'instant ça bouge pas de soucis. Donc ça c'est les silent blocks du réservoir d'origine, et moi du coup j'en ai d'autres pour aller avec celui-ci. Donc qui sont légèrement plus petits et que j'ai dû adapter donc en les agrandissant tout simplement.
parc, c'est bourré de merde. Voilà, donc vous avez vu que j'ai fait tomber des bouts de cadre, donc c'était des fixations pour les clignotants, etc., qui étaient ici, ou alors des fixations pour les poignées qu'il y avait avant à ce niveau-là. Voilà, donc de chaque côté, j'ai retiré ça et j'ai poncé les soudures. Et je comptais garder donc la boucle arrière du cadre, donc c'est-à-dire garder en fait le cadre tel quel. Mais en fait, je suis en train de me dire que si jamais je pose une selle là-dessus, le fait que ça remonte là-haut, ça va être compliqué de faire quelque chose de propre pour la selle, c'est-à-dire une courbe propre. Hein. Donc au début, j'y croyais vraiment, et puis là, je me dis en regardant, plus je regarde le truc et plus je me dis que ça va pas le faire en fait. Si vous voulez, la hauteur du cul là-bas, il est aussi haut que le réservoir limite, il est à mi-hauteur du réservoir, voire aux 3/4 de la hauteur du réservoir. Et du coup, je me dis que c'est pas ouf si je mets la selle comme ça. Donc là, je me suis décidé... J'ai coupé cette petite boucle arrière ici et je vais tout simplement recouper la partie où il y avait l'élévation, donc là, et je vais venir ressouder ça à la place.